va attendre que Ney arrive. Ney, non. Pour l'instant, il n'y a personne. Je sais, pour ceux qui regardent le live YouTube, bonjour. Bonjour à tous. J'attends que des gens arrivent. Voilà. Coucou Fatma. Ça va Fatma? Salut Jade. J'attends qu'il y ait un peu plus de gens quand même. Et après, on commencera ce petit live. Enfin, on commençait, vous avez compris. Petites questions, des petits défis. Tout ça va, écoute, bah, le confinement. Hein, ça. Avec une personne, bon. J'attends que Ney arrive aussi. J'espère que tout va bien. Bah, moi, tout va bien. Et toi, j'espère que tout va bien aussi. Pourquoi il n'y a personne comme ça? Comment s'est passée ta journée? Enfin, ma journée s'est très bien passée. Enfin, en fait, c'est pas passé grand-chose parce que je me suis levée un peu il y a genre 2 heures. Donc, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. J'ai juste fait un peu de musique, voilà, c'est tout. Voilà. Ney, c'est parti! Attends 2 secondes, hop. Ah, ça me stresse. Salut maman. Kenny, tu vas répondre maman. Ouais. Salut, ça va? Tranquille, et toi? Ça va, hein? Attends, je monte le son parce que j'entends rien. Voilà. Ça Ça va, et toi? va? Ça va? Ça se passe comment ton confinement? Bah écoute, on s'occupe comme on peut, comme d'hab. Ouais, tu fais quoi? Je vais dans mon jardin, je joue au foot, je fais de la musique, je compose beaucoup. Ok. J'ai mon frère et soeur. Ok. Et voilà, on m'envoie des... mon équipe envoie des instrus et tout. Et Ok, voilà. tu vas nous raconter un peu cette histoire de mon équipe et tout. Non, non, non. Ah D'abord, présente-toi. non! D'abord, présente-toi quand même. Bah, moi, je m'appelle Naylins. Naylins, c'est mon vrai prénom. J'ai 18 ans. Enfin, je dirais pas, mais j'ai 18 ans. Et voilà, je fais de la musique. Je chante, je fais de la musique, quoi. Je chante, je fais de la guitare. Ok, t'es toujours au festival ou t'as fini? Tu es plus? Je suis plus, Ok, malheureusement. et t'es resté combien de temps? 2 ans. 2, 3 ans. Deux ans. Ça s'est bien passé? Oh, c'était vraiment les meilleures années de ma vie, hein. Ah Festival. ouais? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, je pense, inoubliables. Et puis le fait, genre, que tout. Mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, dans mon domaine, la musique, ça nous a beaucoup rapprochés. Ça m'a beaucoup marqué, cette expérience au sein du festival. Et voilà, c'est comme ma vie maintenant. Bah, c'est un peu ça le festival quand même. Eh oui. Tu Salut connais à tous ceux qui la viennent musique, ouais. d'arriver. Les gars, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit, petit point d'interrogation, mettre des Vraiment défis, tout interview et ça. tout. Hein? Vraiment interview et tout. Écoute, quelle était ta plus belle expérience au festival? Je pense que Coucou franchement, Lana. je pense que toutes les expériences au festival, elles sont toutes enrichissantes, grandissantes et nous permettent de s'ouvrir un peu plus l'esprit à chaque événement. Et mais moi, je dirais ça, les stages. J'avoue, les stages, c'est quand Les même. stages, c'était dingue, hein. Mais vraiment, vraiment, c'était quand je suis partie en Roumanie. Voilà, c'était trop d'art. T'es parti à l'IFLC? T'es parti qu'une seule fois à l'IFLC? Une seule fois. Ça Roumanie? c'était pour Roumanie. T'avais chanté quoi? Lisandro dansait, je me rappelle. Tu veux pas nous faire un petit extrait là? Pardon, tu me prends quoi, toi? C'est comment dire? Je te connais à travers le regard de mes aînés. Je connais ton histoire, mais j'ai jamais, jamais, jamais marché sur ta plage. Le refrain, ça fait. Je t'aurais dansé au plus qu'un acte qu'un tâche. Je t'aurais Yes! Mais voilà. t'as des cœurs, je dis, n'oublie pas de poser des questions, des défis, tout ça. Est-ce que il y a une rencontre professionnelle qui t'a marqué? Bah non, pas particulièrement une seule personne. Pas particulièrement une seule personne.
Vas-y, commence. Mais t'as bégayé ou tu m'imites là? Non, non, j'ai bégayé, j'ai Ah bégayé. Non, je vais pas t'imiter quand même. Non, non, vraiment, je pense que toutes les personnes m'ont apporté une chose en plus dans ma vie, tu vois. Après, j'ai rencontré vraiment des amis avec qui je parle régulièrement, tu vois. Mais vraiment, même les personnes à qui je ne parle presque plus, bah, elles sont quand même dans mon cœur et voilà, je les aime toujours, tu connais. Trop Ah, c'est très beau. Moi, je pense qu'il faut mettre des cartes pour cette phrase. mais vas-y, toi, Est-ce qu'il y a un truc que le festival t'a appris particulièrement, un truc que tu retiens, un truc le fait. Bah, le twerk On aussi. coupe. Non, les Regardez, il stages. va couper ça au montage. Un truc qui m'a marqué, t'as dit? Un truc qui t'a marqué, un truc que t'as le plus appris, un truc. Ce qui m'a marqué, c'était dans le sens positif, hein, genre en mode Oui. le mélange de plusieurs cultures, tu vois. Et ben, je trouve c'est hyper d'art, ça. Mais c'est grave bien. Ouais, c'est grave d'art. Est-ce qu'il y a une culture que tu connaissais pas et que tu as apprise aussi mal? Bah, le turc. Non, mais je pose la question, hein. Le turc. Le turc, le turc. Parce que du coup, j'ai chanté en turc, wesh. Mais il n'y a pas qu'en turc, en plus, hein. On a chanté quoi? Moi, on a chanté en espagnol. Espagnol, italien. Il y Italien, en a une français, qui chante en même malgache chinois. et Pokémon. En malgache et En chanté. malgache, c'est vrai, sur Ouais. la cérémonie, j'avais oublié. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Enfin, genre, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique, tout ça? Michael Jackson. Ok. En vrai de vrai, à la base, je danse. Et j'ai intégré le groupe familial. Ma mère m'a un peu incité à chanter. Au début, je n'aimais pas trop. Mais j'ai appris à aimer ça. Du coup, après, on m'a proposé de faire The Voice Kids. J'ai dit oui, pourquoi pas, c'est une belle expérience. J'ai continué à prendre des cours de chant. Et du coup, après, voilà, j'ai posté des vidéos sur Instagram. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Comme. Développe, développe, on est là pour Ah, développer, développe. j'ai bah du coup Est-ce que t'as des, est-ce que t'as des projets, des trucs comme ça? oui j'ai des projets là, je suis signée dans un label moi je veux dire je suis Black M, moi je suis signée avec Black M et c'est plus un secret hein, Non, bah non. J'ai fait sa tournée avec lui Et en et plus, voilà, le mec est au donc courant. en studio régulièrement, enfin plus maintenant à cause du confinement, mais voilà, je travaille avec des beatmakers, j'ai voilà. Mais ça va, t'es contente. Bah oui, quoi de Du plus? Pas de coup, plus! est-ce que tu peux nous chanter un truc quand même? Voilà, chantez! En vrai, ça fait très bizarre d'être à cette place-là parce que toutes les questions que je te pose, je connais les réponses. Ok, je prends la guitare. Ah oui, est-ce que tu joues dans un instrument, du coup? Tadam! Voilà, c'est ma Tu joues go. que de la guitare? Piano. Qu'est-ce que je chantais? Je peux rien chanter là? Bah ouais. Toi, je mets tes paroles, mon ordinateur. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Wesh Je les voulais pas gars. poser des questions, des défis, mettez des cœurs, mettez ce que vous voulez. En fait, là, c'est pas une interview ici. Hein. Donc, restez. Enfin, si vous Et voulez. après, on va faire des défis et tout. Ça va être cool. Ah, des défis, t'inquiète pas, j'ai un défi pour toi. T'as dit que tu Comment t'as composais. dit? J'ai un défi pour toi. Oh my god. Chanter Yami de Justin Bieber. Yes! Out the way I spit it on the rhythm, spit it, babe. Little rich, get a little, babe. Jet set with the sunset, kinda. Oh, yeah, you got the yummy, 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 yummy. Yeah, you got the yummy, 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 yummy. Still a word on my way, yeah, babe, yeah, babe. Bravo! Ok, j'ai un défi, j'ai un premier, non, un premier défi, un premier jeu. Garde ta guitare, garde ta guitare. J'ai un premier jeu. T'as vu à tous les lives, on fait un peu des blind tests et tout. Mais moi, je propose qu'on fasse un blind test, mais genre, c'est toi qui chantes. Ok. Ça te va? Ok.
Ok, bah du coup, elle va chanter une chanson, il va falloir deviner le titre et l'artiste. Ouais, c'est facile. Putain, j'ai toujours ce même stylo, mais il est vraiment ignoble, je comprends pas. Bah, la gueule, elle met un pouce comme ça, wesh. Qui? Ok, je sais pas. Mais du coup, voilà, je propose qu'on innove un peu, parce que voilà. Du coup, titre et artiste. Je commence très simple, hein. Des trucs simples, quand même. C'est moi qui chante? C'est toi qui chante? Ok. Je vais mettre les aussi, parce du coup, posez des questions, des défis de ça. Voilà, la première musique, elle est trop facile. Salut Laura, je suis trop charismatique. Je kiffe mes gymniques. Too much baby, maman, pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Et comme un hic, et quand tu manques comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule en rythme, moi ça. C'est quelqu'un, je redescends. Mais mon dieu, que c'est doux, alors je l'emmène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Faut trouver le titre. Mais pour toi, je m'attends, pour toi, y'a le tout. Tu changes la dose, yes. Je peux le aimer. Yes, elle a trouvé Coralie. Ouais, Laura, t'inquiète pas. Après les mails. Ok, une autre chanson. Quelqu'un a trouvé là? Ouais, Coralie, elle a trouvé. Ouais, j'ai même pas reçu le truc. Ouais. Mais ouais, Laura, je te l'envoie après le live, t'inquiète. De quoi? Sur nos enregistrements. Le refrain? Ouais. Ouais, moi, je l'envoie après. Vas-y. When your legs don't work like they used to before, and I can't strip it off of your face. Les cœurs. Could your mouth say remember the taste of love? T'as vu, tu dis des cœurs, ils obéissent, wesh. And I can't strip it off of your face. Ok, Zerma. Yes, c'est qui? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart is still for less. Heart is good and free. Yes. I'm thinking about. Yes, yes. Ok, vas-y, une dernière chanson, après j'ai un défi pour toi. Oh, arrête avec tes défis, ouais. Ça me fait stresser. Salut à tous, tout le monde. Une dernière chanson, après on va passer à un autre truc. N'oubliez pas de poser des questions, les amis. Oh, ok, attends. j'ai les mots que j'avais dû créer une chanson avec des mots. Bref, c'est... J'ai les mots là, j'ai eu trottinette, Evian, Belgique, baume à lèvres et pamplemousse. Oula. Tourne dans ma tête, c'est ma vie de long métrage. Tu es belle, moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Tu as vu toi et tes apôtres. Oh. Yeah, c'est quelqu'un qui a trouvé. En fait, t'as que Zarna dans le truc. Genre. Ouais. Ah, mais c'est Zarna? Cover by Z. Je crois que c'est Zarna. Hein. C'est Zarna? Cover by Z. Zarna, une ancienne du festival. Bon, ok, j'ai un défi pour toi. Tu écris des chansons, à ce que je sache? Non, à ce pas que je sache. Hein? Non, si. Si. Sauf que, en fait, j'avais demandé qu'il donne des mots et que tu trouves, que tu fasses une chanson sur une mélodie connue. Mais là, je vais complexifier la chose. Je vais te demander d'écrire une chanson avec les mots qui vont te donner. Et tu vas devoir créer la mélodie. Parce que tu l'as fait dans ta story, je te rappelle. Ouais, carrément. Parce que là, c'est à vous de donner des mots. Les gars, donnez tous des mots. Ouais, je trouve que t'as des trucs bizarres. Lampe, je sais pas quoi. Laura, d'un fois, elle avait donné à Marine pangolin. Non, mais donnez des mots simples pour qu'elle puisse faire une petite chanson. Et puis voilà. Je dois écrire en direct. Bah en direct, comme ça, bam bam.
J'étais okay. à Kodak, genre. Moi, et dessus, les gars, tous ceux qui viennent d'arriver. Oh là là, parfaitement fourché. Tous ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de poser des questions, de donner d'autres défis, d'autres challenges. Et puis, tu vois, quoi. Mais bug. Très bien. Fourchette, mon amour, pirouette, Fatma, tu veux qu'elle écrive comment? En plus, elle est plus là. C'est bon, ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Ok, t'as vu les mots? Attends, je les écris. Fourchette, mon amour, pirouette, piqué, lunette. Salut, Laosta. Salut, RDM. Tu m'as piqué, t'as une fourchette. Du coup, pour ceux que... tout ce que j'ai dit... d'arriver, n'oubliez pas de poser des questions, des défis. Paillasson. Oh là là. Il y a que toi qui donne des mots, là. Allez-y. Pirouette, piqué, lunette. Il faut combien de mots? Je sais pas, le plus possible. Il passe un petit couplet. Mais c'est pas c'est une blague, là. Je fais un refrain, tu vois. Paillasson, c'est ça qu'elle a dit, là? Ouais. Ah, c'est ça, en fait. D'accord. Salut, RDM. Lunette, piqué, j'ai mis... Mon amour. C'est qui Claudia? Je sais pas. Pourquoi? Claudia? Pourquoi? Claudia, c'est une fille qui était avec nous en Roumanie. Claudia. Okay. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle a demandé du coup. RNS. C'est vrai que t'étais partie avec Charlotte. Oui, avec Charlotte. Onomatopée. Voilà, c'est bon. Top, ok, c'est bon, stop. Avec ces mots-là, elle va devoir faire une chose. Ils ont fait en combien de temps? Bah, le plus vite possible, hein. Fourchette, piqué, pirouette. En attendant, proposer des... Ah, il y a Jérémy, il y a Laurie en live. Proposer des questions, des défis, des chansons qu'elle peut chanter. Ok. Je revenais au temps. Non. Ça va vite, du tac au tac comme ça. Salut, Arthur. Voilà, je trouve pas d'idée. Parce que moi, fourchette, pique. Alors là, entre piqué, fourchette, tu vois, le mode, ouais, tu m'as piqué, ouais, tu vois, je suis tombée love après. Comme une fourchette. C'est moi, je dis, faut que tu la proposes à Black M après. Comment? Faut que tu proposes la chanson à Black M après. Ah oui, il va me dire au revoir. Moi, je te dessine. Il va dire, j'enlève ton contrat, je l'annule. Ok. Ouais, continue à parler, moi, je fais ma chanson. Ouais, mais il y a 13 personnes, mais personne pose de questions. Posez des questions, les amis. Love, onomatopée, et love. Oh, il y a love. Love, ça peut aider, non? Elle aime pas la chanson d'amour, elle. M'a piqué. Oui, pardon, je dis love, piqué, tout ça, là. Ça oh my god, tu m'as piqué, Miskine, avec ta fourchette. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire, Ney, en attendant? Je sais pas. Dis-moi, hein. Pourquoi c'est quoi cette chanson Miskine avec ta fourchette? Comportement. Eh, franchement, on a bien fait une chanson. Marine, elle a bien fait une chanson avec Pangolin. Donc, salut Aïcha. Qu'est-ce que. Attends. Ok. En attendant, on va refaire un petit blind test. Vous faites, c'est pas moi qui vais chanter, je vais mettre des chansons. Les cheveux, c'est tombé. Attendez. Qu'est-ce qu'on pourra mettre? Ah, j'aime trop cette chanson. Voilà, j'aime trop cette chanson, c'est pour ça que je voulais la mettre en blind test. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, poser des questions, des défis. Ah, les cœurs, c'est bien. Tu connais Ney? Salut. Du coup, voilà, que je vais poser des questions. Je pense que ça va être important, les questions sur que si vous avez des questions à poser à Ney sur le festival ou quoi. Moi, je vais me demander que ça va te perturber. Ok. Salut à tous. Il y a beaucoup de gens qui arrivent d'un coup. Tu m'as fait. Attends. Tu m'as fait. Quoi? De rien. Avec toi. Je trouve la mélodie aussi après. Ça va, tout de même. Excuse-nous. Non, mais c'est quoi ces mots-là? Je peux pas faire une musique bien. Elle a une musique en mode de... Et tu peux, t'es pas obligé de mettre tous les mots. Avec toi, j'ai vu flou. J'ai dû. Ok. Tu peux changer les mots un peu. Et du coup, avec Black M, c'est comment? Il y a un EP, il y a un album, il y a quoi? C'est pas encore. Pour l'instant, je vais juste en studio. Et voilà, on fait maquette sur maquette sur maquette sur maquette.
et on trouvera les meilleurs, on choisira les meilleurs sons à mettre dans le projet. On sait toujours pas si c'est un EP ou un album. J'espère que ce sera un album directement. Ça serait cool. Ouais. Et voilà. Ok. Ok. On est un. Est-ce qu'on aura droit à un petit extrait ou pas du tout? D'après là? De tes chansons à toi. En plus, ouais. C'est à 20 personnes et tout, je suis sûre, ils attendent. J'ai pas d'enceinte. T'as pas d'enceinte? Mais c'est pas grave, tu fais comme ça, genre. Non, c'est dur. Faut mettre. Attends, dis-moi si t'entends une musique. Alors, je te mets une musique, tu me dis si t'entends, ok? Ok, ok, ok. Mais après, des cœurs si vous voulez qu'elle fasse un extrait. Oh là là, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Tu vois, tu dis mettez des cœurs et il met des cœurs. Regarde, il y a plein de cœurs. Ah, on a une question. Dis-moi si t'entends. C'est hyper bas le son. En fait, t'as trop écrit un dev, je compte pas te voir. Attends. Ouais, on entend. Bien. Ouais, ouais. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ok, bah je mettrai un extra après. Ok. Oh moi je couvre. Okay. Regardez, il a posé un défi, mais en fait, vu qu'il a trop parlé, et bah il y a pas toute la question qui est passée. Attendez. De là, et après, on t'en doit suivre. Et Ney doit suivre avec quoi j'ai pas compris. Ah voilà, c'est ça. Salut Juliette. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Du coup, t'as fini la chanson, Ney? Vite fait, mais en fait, c'est hyper court, c'est normal. Oui, oui, oui. Ok. Ah, je l'ai dit pas tout à l'heure. Mettez des cœurs si vous trouvez qu'elle a réussi le défi. Non. Du coup, t'en as pour faire pour tout le monde. Non, pas moi qui chante au début. Non, c'est toi. Ok, ok. Je m'en piquais avec ta pochette. Les chaussures tombées, tu me fais tomber en pleurette. Avec ton j'ai dû mettre mes lunettes. Ouais, c'est tout. Hey, mais c'est stylé. Ouais, c'est venu. Moi, sur Snap ou Instagram, Nailin, je te laisse dire ton Snap ou ton Instagram. Bah, mon Instagram, c'est Nailin-du-bas. Il est sur le live. et mon Snap, c'est... Oh là, mon blazin, je ne sais pas le juger. NewStyle41. NewStyle41. N-E-S-T-Y. Salut, Laura. L-E-41. Laura, tu avais plein d'idées de défis la dernière fois. Donne des défis. Les gens, ils ne donnent pas de défis. Ils posent pas de questions. Vraiment. La porte. Ouais, du coup, en attendant, tu veux pas nous faire, nous faire écouter ton extrait là? Oui. Parce que je suis en live. Tu crées tout le temps. Tu peux sortir s'il te plaît? Non. Oh là là! Regardez comment elle maltraite ses sœurs. Mais parce que je suis en live. Vraiment, c'est vraiment là, c'est pas mon live. Bah, attends, c'est pas mon live, c'est pour ça. C'est genre, c'est défi, c'est super. Attends, chante, j'ai du rap, ça peut. Le défi, c'est pas le rythme de la chanson et elle doit réussir à suivre. Je sais pas si c'est clair. T'as compris? Non. Le défi, c'est. Attends. Et que sur une chanson que Ney chante, accélère le rythme. La chanson et de réussir à suivre. En gros, tu dois chanter une chanson et moi je dois la chanter plus vite. On ne peut pas parce qu'on est en décalé. Oui, c'est vrai. Moi, tu dois chanter, moi je prouve. Le taïk. Oh là, et ils savent pas qu'on met des portes ici, c'est bon quoi. D'ailleurs, il faut savoir que notre prof de danse est danseuse officielle pour taïk. Grâce à une vidéo en plus avec Benny. C'est vrai? Ouais. Oh là, je me suis fait du mal, toi. Tu n'en as jamais fait autant. À chaque jour, je prouve, oui. Je prouve, oui. Je prouve, bien. Je n'adore plus la night. Ouais, j'ai l'impression de parler comme mon âme. Je cherche ton amour, oui. Amour, oui. Amour, yeah. T'es celle que je choisis. La seule qui me fascine. Je cours après nous que tu passes ton temps à me terminer. Tes cœurs font toute ma vie. Dieu m'a pris, non. Je
corps. Je parle toutes les langues pour me faire comprendre. J'aime m'aimer. Voilà. Yeah, bravo. Par contre, je suis désolée, mais Erdem, j'ai vraiment pas compris ton défi, par contre. Genre juste, tu accélères, mais j'ai accéléré quoi par rapport à Ney, c'est vrai, je comprends pas. On accélère. Ok, mais du coup, les gars, il y a des gens qui arrivent petit à petit. Des défis ou des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Ney, genre sur ses projets et tout? Il y a plein de questions à poser. Pourquoi tu la mets pas sur Insta? Waouh, les vibes, merci. Putain, j'adore, merci. Pourquoi tu la mets pas sur Insta? Alors, hé, frère, t'as mis... Alors, Enda Ben Alima. Donc ça, c'est le drapeau de quoi? Derrière des États-Unis. Ah bah, Ney, c'est toi qui dois accélérer le rythme. Ok, c'est pour ça que j'ai... Ok. C'est juste Ney. En fait, tu dois accélérer, tu dois faire une musique en accéléré de chanter dessus. Oui, je crois. C'est ça ton défi, RD. Cap ou pas cap de manger une cuillère de harissa? J'en ai pas chez moi, mais je suis capable. Pourquoi tu m'envoies ça, Erdem? Erdem, il m'envoie rappeur vs beatmaker, feat, je sais pas quoi. Sauf que je veux pas le regarder en même temps. Bonjour. Moi aussi, je chante. Bah, c'est bien, continue. Bah, ouais, mais c'est pas méchant. Bah, c'est bien, bah, cool. Oui. Pas, ah, d'accord, je dois accélérer une musique en la chantant. Ok, ouais. Attends, je suis. Pourquoi mon truc il est chelou? À me terminer. Après, tu chantes pas toi? Non, moi je chante pas moi. Oh, c'est lui, moi. C'est pas mon live. C'est pas mon live. C'est moche. À me terminer. C'est ça ton défi, Erdem? Vous chantez quel thème de musique au festival? Des musiques sur... En fait, tu chantes des chansons un peu du monde entier. Genre, on peut chanter en chinois, en espagnol, en français, en anglais, en turc, en italien, en tout. Mais surtout, tant que c'est des chansons qui reflètent la paix universelle et l'universalité. L'universalité, la paix, quoi d'autre? La tolérance. Exactement. Savoir. Là, ouais, exactement. Tout ça. L'humanité. Tout ça. Oui, oui. Donc voilà. Ah, c'est un peu trop beau. Du coup, voilà, c'est ça qu'on peut qu'on chante au festival. Donc voilà. C'est quoi la chanson que t'as préféré chanter au festival? Moi? Ouais, bah oui, toi, pas le temps. J'ai préféré chanter. En fait, peut-être que j'ai pas préféré chanter, mais que j'ai préféré écouter, c'était c'est la connaissance. Ah, tellement belle cette chanson. Tu veux le faire l'extrait là, comme ça, tout de suite? Attends, c'est lui, attends. Le savoir nous éclaire et nous porte plus loin. Ceux qui le savent espèrent le transmettre à leur prochain. Il défend les valeurs d'un monde meilleur. De vrai. Et avance avec moi en l'humanité. Voilà. J'ai trop envie de faire l'armoté du refrain. Ah oui. Pourquoi tu passes pas dans The Voice? Qui a dit ça? C'est ta question? Ouais. Pourquoi je peux pas. Moi, je peux pas dans The Voice? Oui. Bah, j'ai déjà fait The Voice Kids. Et en fait, comment dire? Ça m'intéresse pas trop de refaire en fait. Je sais pas ce que ça peut m'apporter à part de la visibilité, donc non. Et c'est quoi la moyenne d'âge? La moyenne d'âge au festival, c'est. Bah, en soi, il y a des gens. En fait, il y a plusieurs groupes, les juniors, donc il y a des gens qui ont 8 ans, je crois. Ils sont dans un groupe autre. Et après, nous, notre groupe, il est entre 13, 14 et 18, un truc comme ça. C'est ça, un peu, non? Ouais, c'est ça. Et après, les bénévoles, ils sont les bénévoles, les ablats et tout, quoi. Il y a une question qui m'a fait rire. Cap ou pas cap de mettre une mèche dans ta bouche? Un concept. Même moi, frère. Hein? Quoi? Ah, pourquoi tu dis ça? Tu as une super belle voix. Je sais pas si elle parle à toi, mais. Elle a pas dit belle, elle a dit super voix, arrête. Ah oui, c'est super. Excuse-moi, mais dans la tête, tu viens de super voix. Bah, elle parle à toi, c'est toi qui as chanté, c'est pas bon. Ah, merci, on sait jamais, c'est trop. Bref, mais du coup, les gars, là, vous avez pas des questions, sérieusement? Ok, qu'est-ce que je pourrais te donner? Ok, t'as ton piano à côté de toi ou pas? Mon piano? Ouais. Non. Ok, bon, bah, tu prends ta guitare du coup. Tu vas devoir chanter, tu vas devoir jouer une mélodie avec ta guitare. Et chanter une autre chanson. Enfin, chanter une parole d'autre chanson.
Cap ou pas cap, je vais faire une dédicace, je serai très contente. Ney, laisse faire des dédicaces. Dédicace à... Eh, ça c'est là. Oh, c'est le génie. Ça c'est fait... Oh là là. J'ai dit, même moi j'avais envie de faire l'armo d'assurer ses connaissances. MDR. Mais j'ai envoyé des défis moi-même, je les ai pas reçus. Ah si, fais-nous une impro de couleur de l'univers à la guitare. C'est comment dire les notes? C'est comment dire le rythme? Un foie et fermeté entre C. Entre nous, nous, nous sommes toujours en chemin. Nous avançons chaque instant. Nous réunis en quête d'espoir. Et genre, elle est trop forte, genre. Mais si on te demande de faire un truc comme ça, bam bam bam, t'arrives à le faire. Ok. Y a pas d'autres défis, les amis. Je veux d'autres défis, mais c'était drôle. Bravo. Tu m'as dit de jouer à la guitare avec une autre mélodie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, dis-moi une musique. Je sais pas. We are thinking out loud. Okay. Avec une musique que je chante tout à l'heure. Qu'est-ce que je chante tout à l'heure? C'est pas toi qui avais fait un feat avec Black... Qui avait fait un truc avec Black M. Si, c'est... J'ai fait une musique en elle français. A fait un feat sur son album qui s'appelle Monsieur Lajon. Ouais, track 8. Vas-y, un petit extrait de Monsieur Lajon, là, tout de suite. J'aimerais que tu vois ce qui se passe en bas de chez moi. Je ne veux pas combattre le mal par le mal. Encore un des autres parties trop. Rejoins les étoiles. J'aimerais que tu vois ce qui se passe en bas de chez moi. Je ne veux pas combattre le mal par le mal. Encore un des autres parties trop tôt. Rejoins les étoiles. Yes. Bravo, bravo. Chante Michael Jackson. Laquelle? The way you make me feel. Je connais pas le petit. I wanna rock with you all night. That's the... Et franchement, t'as là, pas chanté ça, c'est pas? Oui. T'as trop de mémoire sur toutes les musiques, je comprends pas. Je me gâte. Donnez d'autres défis, d'autres chansons, d'autres. C'est qui t'a appris à faire la guitare? Moi, raconte l'anecdote de ton apprentissage. Ok, donc en fait, ça part d'une bêtise que j'ai faite. Et en gros, bref, j'étais avec quelqu'un quand j'étais au lycée, au collège, pardon. Et bref, le collège a convoqué mes parents. Mes punitions, c'était d'apprendre la guitare, soit d'apprendre le piano, soit jouer avec mon frère et soeur. Soit bah, tu jouer avec mon frère. À l'époque, je n'aimais pas jouer avec eux parce que j'étais petit, tu vois. Et du coup, bah, j'ai appris la guitare, je me suis enfermée dans ma chambre. Genre, pendant vraiment une semaine, je faisais que ça. J'avais mal au doigt et tout. Et après, bah, au fur et à mesure du temps, genre, voilà, je tapais tuto guitare sur YouTube. Et voilà. On a tous fait ça. Est-ce que... En 2013. Hein? En 2013. Attends, hop là. Tu vois, tu sais qui te rappelle le festival? Bah. J'ai envie de t'aimer, de tout lâcher, de te je suis attachée. Mais là, c'est bon, il y en a assez. Vous les tes bras. Ça date! C'était le premier ou deuxième stage, ça, je crois. Ouais, ouais, c'était qui sera. Qui sera le deuxième? J'entends ta voix en décalé parce que ma mère regarde le live, c'est très drôle. Ah, ok. Attends. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres suggestions? Il nous reste 10 minutes de live, donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez pour ces 10 dernières minutes?
À toi, je suis. Ah, j'ai dans la tête maintenant. Ah, attends. Chante de la K-pop. Je connais pas, sinon je connais pas. Raconte, attends, une question de Loa Mebert. Et fais attention à tes anecdotes. C'est mieux, je raconte pas. Mais t'as forcément des anecdotes racontables. Bon, t'as compris. Oui, à raconter, genre en mode de. Ah oui, un jour. Mais franchement, je pense que c'était trop drôle, ça. Mais quand je l'ai raconté, ça allait pas être drôle. Sinon, c'était trop drôle. C'était. Je crois qu'on était en train de répéter et on faisait trop de bruit. Et RDM est tout en mode, ouais, non, vous faites plus de place de rigoler et tout. Et là, RDM, il me prend par les oreilles, voilà, il me met dehors. Et tout le monde est en train de rigoler. Oh, c'est vrai, c'était à table. Non, c'était à table. C'était à table. Ah. On faisait trop de bruit, il m'a pris par les oreilles, il me met dehors. Il m'a dit, ouais, tu restes là. Ou sinon, on avait fait un jeu, c'était dehors. Oh, en gros, avec Soli, I am Soli sur Instagram, on avait. On était en train de faire un loup-garou et on avait mis Fatma dans le cou. Et en gros, le but c'était qu'on prenne une grosse bassine d'eau et qu'on arrose Nay. Du coup, on faisait un loup-garou. On a fait vas-y, fermez les yeux et tout. Et en fait, au final, on a versé une grosse bassine d'eau sur Nay, sauf que Nay, ça lui a pas. Après, c'est un peu énervant. Ça fait combien de temps que vous êtes au festival? Bah, moi, ça fait 3 ans que je suis au festival et Nay, elle y est plus, mais elle est restée 2 ans. Ouais. Voilà. T'avais chanté quoi en Roumanie? Lisandro danser. Elle a déjà fait un expat tout à l'heure. J'ai fait tout à l'heure, man. Ah non, mon sang. Elman. Madim Kapu Tchenolour. Lél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 
Moi, c'est Linda. Ah, Linda. Pourquoi j'ai dit Kadi dans la tête? Mais là, simplement. Pourquoi moi, c'est Linda? Sa chanteuse préférée, peut-être, je sais pas. Linda, c'est une surveillante au collège. Ah bon? Bah, c'est ce qu'il va me dire. Oui, mais je trouve que c'est une chanteuse et c'est sa surveillante, genre. Mais non, regarde, moi, c'est Linda. En plus, c'est ma surveillante au collège. Bon, bref, ah, bah. Ma vie. Tu peux chanter Shawn Mendes? Tu préfères chanter en anglais ou en malgache? Ça dépend du mood. Tu préfères un petit extrait de la chanson malgache avec, avec ta mère et ton tonton? Vas-y. Mais je connais Linda, c'est ma pote. Ah, mais t'étais en live avec elle la dernière fois. Ouais. Ouais, c'est impossible, c'est une surveillante. Hein. J'avoue, c'est impossible. Mais c'était peut-être une ancienne surveillante, c'est. Bah, faut parler au passé, ma gueule. Oui, je suis malgache. Oh, Madame Banks. Très beau collier, en tout cas. Oh c'est où? T'as vu comment t'es jugé? Bon, du coup, vas-y. Comme c'est où, Naïsana Hare. Famizare. Yes. J'ai envie de boire si j'ai envie de boire, Laura, où est le problème? Ok, est-ce que vous avez là, il reste 3 minutes, est-ce que vous avez des dernières questions, des dernières suggestions, des derniers trucs, quoi? C'est Léna, ça va, c'est Léna? Oh, c'est là, tu dates? J'avoue. C'est ça? Au concert de Black M, merci. Bah, dis-lui. C'est quoi au concert de Black M? Chanteur! Old Town Road. Après, je fais... En fait, me dis pas ce que tu chantes. Fais. Je fais un extrait de chaque musique. I'm gonna take my horse to the town road. I'm gonna ride till I can't go more. I'm gonna take my horse to the town road. Gonna ride till I can't go more. Après, chante quoi? Let me love you. Non. Tu chantes plus Let me love you? Non. Pourquoi? Attends, déjà. Attends, j'ai plus. Autumn Road. Ah oui, Let It Go. Let It Go. Ah, Let It Go, c'est pareil. So come and let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I be. Voilà. Après, je chante la musique en malgache, là, que je viens de faire. Et une grosse... Qui serait bien quand on avait dû la chanter à Argenteuil et qu'on avait dû la prendre en genre même pas l'après-midi. C'était pas Argenteuil. Si, c'était Argenteuil. Et Orléans. Non, c'était Argenteuil. Bah, il y avait les deux alors. Parce que moi, j'étais pas là à Orléans, c'était ma première année. Je savais qu'en après-midi, il fallait qu'on la prenne. Oh, et là, ils seront toujours là la semaine prochaine. Bah, en vrai, s'il y a d'autres gens qui veulent faire des lives, oui, mais sinon, à partir de vendredi, je crois qu'il n'y a plus personne. Alors, demain, je sais qu'il y a Anaïs, je crois. Anaïs? Je crois que c'est Anaïs demain. Mercredi, c'est Francky. Ah non, demain, c'est Laura, je sais plus. Jeudi, c'est Uta et vendredi, c'est Francky ou un truc comme ça. Donc, il nous reste une minute, une dernière chanson pour clôturer ce live. Je vous regarde. Ok. Oh, on a posé l'été.
C'est toi qui fais le début. Bah non, parce que c'est ma musique, faut pas leur montrer. Je vais chanter une chanson malgache. Il y aura des demain, voilà. Demain. Je vais chanter une chanson malgache. Ouais. J'ai dit mes words that I don't ça va et toi, ça, enfin, ça va et toi, elle chante bien, hein. Bah oui, bah, je dis, là c'est la fin, on va finir, mais finissez sur des cœurs, s'il vous plaît. Attends, moi je ferai la mise en forme de la semaine. Oui, parce que j'ai dit n'importe quoi. Bon, bah merci d'être tous, d'être venus au soleil. Je pense qu'on va arrêter là, Ney. Ouais. Bon appétit. Et puis rendez-vous demain justement avec Laura D à la même heure, avec sûrement Romina. Hein? Avec Romina, je pense. Oh, avec Romina. Et puis voilà quoi. Salut. Oui, merci à toi. Bisous. Bisous.